Les leaders solidaires de Medejonu ont une fois encore sacrifié à la tradition. Ils ont commémoré la 3e édition de la Journée de l'Arbre. Pour cette Journée de l'Arbre 2018 à Medejonu, un accent particulier a été mis sur les espèces fruitières. Population, élus locaux et quelques élèves se sont fortement mobilisés pour cette journée abritée par le centre de santé de Medejonu, commune d'Adjara. L'ASM s'associe traditionnellement depuis leur création à la célébration de Journée de l'Arbre. Donc aujourd'hui, nous sacrifions à cette tradition-là. La première année, nous sommes restés dans la ligne gouvernementale en plantant 200 arbres à croissance rapide. La deuxième année, donc l'année dernière, nous avons voulu marquer une différence en ressuscitant en quelque sorte les arbres naturels spécifiques à notre pays, en créant le centre, le temple vert, au CPP2, à la DACOR, dans l'arrondissement de Medejonu. Cette année encore, nous avons voulu innover en mettant un caractère particulier sur les arbres fruitiers. Nous avons souhaité associer le centre de santé à cette journée, parce que d'abord il y a l'espace, ensuite nous pensons à long terme et à moyen terme. Et nous voulons donc associer le centre de santé, les responsables du centre de santé à l'entretien de ces arbres-là. À en croire les leaders solidaires de Medejonu, ceci marque le début d'un véritable projet révolutionnaire, celui de l'installation d'une pépinière école de fruitiers la plus grande de la région. Et la journée d'aujourd'hui lance un programme innovateur au sein de la communauté. C'est un programme de plantation de fruitiers qui est ainsi lancé. Et nous sommes partis du constat que les journées de reboisement au niveau national ne prennent pas en compte les fruitiers. On s'appesantit beaucoup plus sur les essences à croissance rapide, parce que ça a une valeur marchande plus importante. On passe les fruits au second rang, alors que c'est dit que dans notre alimentation, il doit y avoir 5 fruits par jour, ce qu'on ne pourra pas respecter ici chez nous, parce qu'on est beaucoup plus porté sur des arbres qui produisent du bois de feu et du bois d'œuvre. Medejonu, c'est une cité, c'est dans la banlieue de Porto-Novo. Nous sommes à 15 km de Porto-Novo et nous subissons un peu cette pression démographique et cette avancée de la ville vers la campagne. Donc il y a de moins en moins de terres cultivables et donc on sera vraiment confronté à ce problème d'arbres, de verdure dans notre environnement.
La population de Medejonu est très satisfaite de l'action que mène l'association des leaders solidaires de Medejonu depuis peu dans la localité. La journée du 16 juin 2018 représente une grande journée chez moi au centre de santé, une grande joie parce que c'est une journée choisie par les leaders pour nous doter des arbres fruitiers. Le sentiment qui m'a animé, c'est un sentiment de joie. Un sentiment de joie dans la mesure où l'arbre fruitier va donner de fruits que beaucoup de personnes vont consommer pour sauvegarder leur santé. Je vraiment souhaite vivement et que les années à venir, que ça soit continué parce que nous avons assez d'espace dans la maison. Et je profite de cette occasion pour remercier une fois encore de plus les leaders solidaires de Medejonu. Cette célébration de la journée de l'arbre 2018 ne s'est pas seulement arrêtée à la mise en terre des plants. Les élèves présents ont été rassemblés à la bibliothèque solidaire de Medejonu pour un atelier dénommé « Connaître mon patrimoine » lancé et animé par le programme Compart et l'ONG Éduculture. Le programme Compart vise à éduquer les enfants à la notion du patrimoine culturel et à la préservation du patrimoine culturel. Et en partenariat avec les leaders solidaires de Medejonu et l'ONG Éduculture que je représente ici aujourd'hui, nous avons décidé de mener cet atelier à la bibliothèque solidaire de Medejonu. Dans le cadre de la journée de l'arbre, nous avons décidé de partir du contexte de la journée de l'arbre, ce qui nous a permis d'aborder la notion de patrimoine culturel naturel. Et parlant du patrimoine culturel naturel, nous avons abordé avec les enfants la forêt sacrée de l'India Gango, le patrimoine culturel matériel, les palais royaux d'Abomey, les habitations Tata de Koutamaku, les tombeaux des Askia, et nous avons abordé la mosquée de Tumutu. J'ai planté un arbre aujourd'hui. Je suis content d'avoir planté cet arbre parce que si les arbres grandissent, on va manger les 5 fruits par jour. Comme on nous a dit à l'école, on nous a parlé des patrimoines culturels. Exemple, la forêt sacrée de l'India Dambou, les palais royaux d'Abomey et le Tata Somba. Rappelons à toutes fins utiles que les leaders solidaires de Medejonu promettent rééditer l'exploit pour un véritable reboisement durable des fruitiers sur le territoire de Medejonu, commune d'Adjara.